Le bouton. Le mouton. Le soleil. Le sommeil. J'en peux plus, là, d'être réveillé tous les matins par votre réveil de merde. C'est pour ça, mettre des boules qui est. Parce que vous, quand votre toit fuit, vous achetez un kawaii, c'est ça? Vous n'entendez à rien. Le 6. Le 6, mais moi le 5. Le 6. Comme ça, je m'en décompte. 1940. Monsieur, vous allez trop vite, on ne peut pas trinoter. Allô, on est là, monsieur. Toujours un plaisir d'échanger avec toi. Hein? J'entends bien ou j'entends rien? Rien. Rien? Oui, rien. Il existe des prothèses auditives. Ah bah, à mon âge. Tous les sons vont vous paraître amplifiés au début. Tu peux arrêter avec tes chiffres, ça c'est insupportable. Je peux arrêter de respirer aussi, hein, si tu veux. Claire a perdu son mari il y a un an. Et sa fille ne parle plus depuis la mort de son père. Alors c'est toi la petite fille qui fait trembler tous les meubles avec ses cauchemars? Tu peux hurler tant que tu veux. Moi j'entends rien. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Je voulais vous remercier de la façon dont vous vous êtes occupé de Violette. Le père de Violette, il est où? Il est parti, il est mort. Eh ben, il va jamais la voir. Bah, moins depuis qu'il est mort. Mais vous êtes toujours à l'ouest comme ça, là? Bon, j'espère que t'es prêt pour maman. Tu devrais pas t'énerver comme ça, mec. Oui, bah c'est facile pour toi, t'entends rien. Bah, j'en peux plus d'écouter ces conneries. Maman, c'est moi, c'est ton fils. Ça m'étonnerait. Mon fils vient jamais me voir. J'ai un peu peur de me reprendre une porte dans la gueule. Baisse la garde, écoute ton cœur, fonce là. Ça fait trois nuits qu'elle dort mieux. C'est super, il s'est passé quelque chose.